Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Je dis à tout j'ai braqué sous bicentenaire. Parlement haïtien, deux branches. Parlement, le Sénat de la République et la Chambre des députés, puisque je dis à là, il y a une séance d'interpellation qui prévoit dans tous les deux branches. Peut-être question qu'on a posée, est-ce que l'obligé est fait même joie dans toutes les deux branches? Pour qui ça, choix ça, motivation à qui ça lié, à qui ça nous cas attendre nous avec séance interpellation sérieux, est-ce que de toute manière, au niveau du Sénat de la République, et on planifie peut-être faire séance par yoa avant, selon précision bureau a, et là, si séance par yoa fin faite, la lab difficile pour chambre députée à lui-même avancer, est-ce que après de faire dans tous les deux, en tout cas, c'est une question qu'a posée et matin là, très certainement, Télévision Nationale d'Haïti pour l'accompagner nous pour nous capables gagner une idée de gens situation présentée au niveau du Parlement haïtien. Mais on va aller dans ce bicentenaire, NAP Nandelma 33, et nous avons le plaisir de recevoir matin une députée dans la 50e législature, députée quartier Morin, honorable Esaïe Prophète, qui a accepté de répondre à une question nous matin. Député Prophète, son plaisir pour nous soutenir la journée. Bonjour, monsieur Esaïe Gino, je salue tous les spectateurs, c'est un plaisir de l'avoir avec vous matin. Je pense que tout député qui est en bas, comment vous allez nous là? Bon, séance par nous, elle est programmée pour 10h. Mm-hmm. Étant donné que lui peut être environ 8h30, on attend à ce que 10h arrive pour nous descendre pour nous faire séance. Parfait, parfait. Alors, mais comment chef député? Parce que depuis l'infini entre le 2e et le 10 janvier, il n'y a pas senti nous, pas trop de séance qui fait. Bon, comme on connaît, c'est le président Gary Godot qui était reconduit au niveau de présidence là. Il y a un nouveau membre dans le bureau qui était ajouté. Après ça, tu es supposé gagner une formation de commission. Tu es finalement joué un président pour différentes commissions. À part de ça, l'Islande est supposé remplie avec secrétaire rapporteur et vice-président. Et à partir de cela, pour te gagner conférence des présidents pour permettre que tu commences à fonctionner. Tu as gagné une séance qui a commencé, il était en continuation, mais avec annonce de ces députés et petit frère Elias, bon, nous devons obligés pour une suspension de séance par le fait que le Parlement était en deuil et nous espérons que tout autant que l'enterrement pour qu'on fait, nous a obligé travail, mais c'est peut-être après le funérail là que nous sommes capables de lever deuil là. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'a fait normalement au niveau de la Chambre des députés. Oui, mais séance pour valider commission, par exemple, fait député. Bon, et où tu as gagné un président de commission qui était déjà choisi. Ça a été fait en négociation avec différents blocs. Parce que figuration, c'est qui ça lié? C'est que vous gagnez trois blocs politiques. Vous gagnez le bloc APA qui gagne 52 membres, vous gagnez le bloc EPAN qui gagne 48 membres, et vous gagnez le bloc GPEP, Vérité et Allié, qui gagne environ 16 membres. Ça veut dire que si vous procédez par moyen élection pour capable de jouer une présidence de commission, le bloc majoritaire a gagné tout. Pour cela, vous obligez de faire au prorata. Ou dit comme ça que basé sur qui quantité membre que bloc majorité à la gain wa ba yon quantité de commission basé sur qui quantité membre que bloc qui vient en deuxième position gain wa ba en commission et ceci c'est sous même base de négociation ça côté jeune président qu'on pourra jeune vice-président. Traditionnellement groupe politique qui gagne un président lancé li gain secrétaire rapporteur là tant comme nous négociation était supposé faite pour que yo jeune vice-président yo et pour yo jeune secrétaire rapporteur. Et finalement, nous voyons, même pas jamais qu'à la séance pour nous faire. Bon, ça qui fait pas jamais c'est pas oublier le pays a été plus ou moins gagné 10 jours, côté que le pays a été plus ou moins lock. Là, nous venons tourner pour notre travail, nous venons gagner annonce de ces alliances petits frères qui viennent permettre que pas de cas de séance. Mais comme nous, la semaine dernière, il y a une séance qui était en continuation, que nous avons rebalancé pour nous être capables d'accepter de là, après ça pour notre travail. Mais il y a une conférence des présidents qui étaient supposés faire la semaine dernière pour que nous soyons capables de travailler sur l'agenda. Depuis là, nous retournons sur la vacances. Combien de séances nous fait? Bon, je crois que nous faisons peut-être 3 ou 4 séances. Parce que pour être capable de gagner une formation de commission, il faut qu'on ait une séance. Ça veut dire que c'est une séance qui est faite, quand le débat est fait, quelquefois la séance n'est pas finie parce que vous avez un pile de discussion sur qui est-ce qui prend telle commission, qui est-ce qui pas prend telle commission. Mais tu as une séance d'abord pour être capable de former la commission. Yo, et séance a été faite, une séance qui a été faite tout pour que tu es capable d'enregistrer le bloc politique. Yo.
Parce que l'un tourné, il y a un nouveau bloc qui était supposé enregistrer. Et c'est comme ça que APA a été venu enregistrer avec 58, 52 députés, ou il y a un EPON qui est enregistré avec 48 députés. Et puis, GPEP, Vérité Allié, est inscrit avec environ 16 députés. Vous nous regardez dire hein, pour ça, Chambre représenté en termes de coûts pour le pays. Ils ont estimé que nous avons travaillé davantage. Et pourtant, leur bilan législature, là, c'est qu'il baille plus de résultats. Que, ah bon? Bien sûr, que législature antérieure, parce que au niveau de la 50e législature, là, nous avons voté 48 propositions et projets de loi. Nous avons aussi environ 2 conventions. Sans compter en pile l'autre travail qui est fait en termes de visite de délégation de commission. Ça veut dire là où garder bilan travail que la Chambre des députés a fait, comparativement à la législature antérieure, nous plus ou moins. Pas tellement mal passé, parce que ça. Pour rentrer dans la question de sous quantité d'argent que vous pensez que la Chambre des députés a coûté à la nation, hein, pour quantité de résultats que nous avons, en plus, le monde pensait que capable bien son résultat qui peut-être peu satisfaisant, mais la Chambre des députés a fait ça, elle doit faire. Ils ont responsabilité pour être capable de voter loi, de voter loi. Ils ont responsabilité pour être capable de contrôler l'action du gouvernement, de faire ça. Et ils ont responsabilité pour capable faire des propositions de loi, ça veut dire pour capable légiférer, travail ça fait. Et ils ont l'autre travail que nous avons encore pour nous faire en tant que parlementaires, quelquefois nous voter. Par exemple, le gagné la question de l'élection qui t'a pas fait sous l'ancien président Joseph Briver, la Chambre des députés, il était voté, c'est eux-mêmes qui étaient voté pour le président, ça veut dire responsabilité que nous avons pour nous faire. On est capable toujours penser que nous manquons de travail. Peut-être on pense qu'on a déjà voté sans loi ou bien sans proposition de loi, mais on pense que c'est un travail considérable et un travail valable qui fait. Vous parlez de loi de voter, mais il y a des gens qui ont quasi député pour faire. Pour qui finalité, pour qui ça? Est-ce que loi ça ou une voter répond vraiment à sa réalité à jeudi à hier? Ou bien c'est voter pour voter? Nous votons loi sous 3 chiffres. Loi sous 3 chiffres permet à ce qu'un pile compagnie dans le pays qui est contre travail, qui est obligé de travailler seulement pour 8 heures de temps. Et si vous avez un travail supplémentaire que vous voulez faire, vous êtes obligé à payer des employés des heures supplémentaires qui vraiment pas aider. Mais avec le 3 chiffres, là, ils permettent que l'usine ça fonctionne 24 sur 24. Vous avez un premier groupe de monde qui travaille de minuit à 8 heures du matin, vous avez un deuxième groupe de monde qui travaille de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ou un troisième groupe de monde qui travaille de 4 heures de l'après-midi à minuit. Ça veut dire que compagnie en lui-même, il n'a pas besoin de payer en heure supplémentaire, il a simplement gagné 3 différents chiffres de travail. Nous votons loi pour nous capables de créer un organisme qui est plus ou moins responsable de l'éducation supérieure dans le pays. Un bagage qui n'a pas été jamais fait depuis plusieurs années. Je pense que il y a différentes propositions de loi, il y a différents projets de loi que Chambre des députés à 50e législature là, ils ont voté. En pile fois, les gens qui peuvent être critiqués qui quantité de travail qui fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment un but de qui bilan de travail nous fait et qui type de proposition et type de projet de loi que nous fait. Même penser que comme nous, 50e législature là, d'accord que nous t'es qu'à faire plus. Plus. Si t'es que plus ou moins cohérence entre différents blocs politiques, yo, si effectivement quelquefois c'est pas esprit de clan qui prime sous intérêt nation, nous avons fait plus, même pas pour dire que son législature qui passait, qui n'a pas fait rien. Maintenant, peut-être que le monde qui a regardé, qui dit, sur 48e, nous dit, oh, 48e, c'est un problème. 49e, nous dit, mes amis, ça, son législature, une barre de tourner là-dedans encore. Il y a des gens qui t'attendent que 50e, vraiment, font une grande différence. Dans l'esprit, pas aujourd'hui, à quoi que, puisqu'on a fait un mandat, c'est un sentiment du devoir accompli, député pour faire, regarder son fait, regarder sa corps l'a fait. Personnellement, pour moi-même, je me sens que je fais le travail que je devais faire, premièrement pour la nation. Deuxièmement, je fais le travail que je devais faire pour représenter la circonscription PAMNA, qui est le quartier Morin. Parce que la présence moi permet que Gampil travaille de développement et d'avancement qui fait dans la commune par le fait que je suis capable de défendre l'intérêt du quartier Morin. En tant qu'élu, je vote des lois, me participer dans différents travaux de commission pour contrôler l'action du gouvernement, travail pas maintenant au niveau personnel, me penser que me fait. Sans pour autant, à l'échelle internationale, et sous fait sondage là,
aucune nation pas vraiment jamais satisfait de travail que parlementaire fait. Et ceci sous fait sondage là aux États-Unis, sous fait sondage là en République dominicaine, ou a fini par rendre compte que ça dépend de qui moment population ça a toujours dit yo pas satisfait de travail que législateur fait. Mais si m'ta ka répondre question non pour me capable dire moun te kon di parlement pa te bon dans 48e législature là. Yo te dit parlement pa te bon dans 49e législature là. Et on dit parlement pas bon et que moun capable même dit parlement pi mal dans 50e législature là, ça rentre dans une campagne. Une campagne pour dénigrer différentes institutions dans pays a et parlement li trouvé dans mitan institution ça yo. Je m'a prêté le flanc tout. Bon, même si nous prêter le flanc mais on ta remet aucune institution dans pays a qui senti lissé que lever la main pour dire que c'est le parlement qui est institution qui est corrompu dans pays a. Nous ta remet des institutions qui dit que jeune jodia il pas coupable et c'est parlement qui doit aller parce que c'est l'institution qui est corrompu dans pays a. Nous ta remet connait institution. Est-ce que c'est média? Est-ce que c'est secteur privé a? Est-ce que c'est organisation de base yo? Est-ce que c'est organisation de droits humains yo? Est-ce que c'est l'église? Nous ta remet aucun monde dit comme ça que m'a craser parlement pour le fait que parlement pas bon tandis que moi-même moins bon. Sauf que parce c'est que bail là pour bail le ton. Non, mais... comme autorité comme monde qui mandat peuple là. Et on pensait que nos sociétés c'est pas seulement un monde qui prend initiative pour que ou dit ou pas diriger les affaires de l'État, c'est ou même seul qui responsable. Bon, bon exemple. Moi-même fait député ça me fait 3 ans depuis me député. Est-ce qu'on connaît monde qui fait partie du secteur privé là là dans l'économie pays depuis 215 ans. Monde ça fait business depuis 215 ans. Il a fait commerce depuis 215 ans. Il y a différentes familles qui ont fait commerce de génération en génération, 5 générations passées. Ça veut dire, vous voulez dire moi-même qui fait un député pour 3 ans, c'est moi qui est responsable les misères de ce pays. C'est moi qui est responsable tout mot que le pays a passé, tandis que je fais rien que 3 ans seulement que je m'occupe en poste. Si nous sommes d'accord que le problème du pays d'Haïti, ce n'est pas seulement un problème politique, c'est un problème économique, eh bien, le premier groupe qui est responsable de misère pour le pays, c'est le secteur privé, le secteur économique. Parce que en nous clair, pendant que nous avons dit politiciens sont responsables, mais qui est-ce qui contrôle l'économie de ce pays? Depuis plus de 210 l'année, c'est moun sa ou gen monopole là nan mayo. Sou d'accord que l'argent pas circuler dans pays, mais ça qui fait l'argent pas circuler, c'est parce que gon sèk de groupe moun qui gen monopole là nan mayo, c'est eux même seul qui gen monopole pour vendre fer, c'est eux même seul qui gen monopole pour vendre du riz, pour vendre farine. Ça veut dire si moi même sorti au Cap Haïtien, même moun nan qui gen monopole pour vendre fer à Port-au-Prince là, c'est les cap vendre au Cap Haïtien, c'est les cap vendre dans tout le pays. Ça veut dire gon l'argent qui pas circuler. Ça veut dire en va pour nous prendre problème nan pour nous dire son problème politique, garder qui impact que problème n'en fait dans l'économie. Mais sauf que quelqu'un qui t'a tout député, côté autorité de l'État, on a ça. C'est que t'as privé à lui même qui décide de faire pour contre lui. De toute manière, s'il n'y a pas de complicité autorité dans l'État, on ne peut pas faire comme ça et qu'il y a contrôle, qu'il y a monopole sur l'économie. Je vais dire là. Un grand homme politique défunt, de regretter, mémoire Fidel Castro, Gonzalo de Dou, mon qui bon manger, c'est le contrôler. Mouna qui a pouvoir économique là, c'est lui qui commande tout bagay. Et là encore, pour nombre de temps que moun sa ou gen nan richesse pays, nan économie pays, ou posez ta tout question, est-ce que vous pas plus fort que l'État? Est-ce que l'État c'est pas vous même? Parce que, gon jouet que m'pavle nous prend la donne. Moi m'soti quartier Morin, fils d'un paysan, m'soti nan masse là. Mais je ne j'en dis à souf un sondage. Souvent des simples citoyens qui est-ce qui la cause misère, pauvreté, l'abdou député, l'abdou sénateur. Sans pour autant, gon moun qui contrôle tout pays, à toute nation, de génération en génération, côté mon responsable. Joune jodi a ou vle faire moi-même qui yon victime, paraître pour yon bourreau. Ça fait ça selon vous, qui ça selon vous, population ou en comme ça? Parce que gon travail de médiatisation qui fait. Nous devons faire notre travail. Non, mais m'a fini. Gon travail de médiatisation qui fait. Moun dans le secteur privé, pas pour gagner, sinon, il y a contrôle la presse. Il y a contrôle radio, il y a contrôle télévision, il y a contrôle journal écrit. C'est parce que gon conception que le veut faire population comprendre, et ceci population prend un piège là. Parce que lui-même, côté le chita, tout autant qu'il fait population, ouais, que c'est moi-même qui est nil, côté le chita, ou pas, j'aime river sous lui. Bataille là a mené entre peuple là et moi-même. Tandis que vrai ennemi population, il était caché derrière un rideau, aucun monde pas ouel.
Parce que avant pour t'arriver côté hier, ou ap getan fin fatigué dans bataille que ap mené contre moi. Parce que dans la réalité, pour qui raison que un pile journaliste a dit que parlement corrompu, des députés pas bons, sans pour autant yo connaît que c'est quelques députés peut-être qui gagnent un mauvais n'daka dit un mauvais travail que yo fait, mais le yo fait de façon généralisée. C'est parce que tout simplement pour moun qui dans secteur privé a il voit institution l'état comme un adversaire pour lui, et tout autant que le rentre dans bataille pour affaiblir les institutions de l'état, ça fait gagner. C'est comme un bon exemple. On n'est qu'à faire business dans contrebande. Il y a intérêt pour l'État pas fort, oui. Parce que depuis l'État pas fort, l'État pas qu'à sécuriser frontière là. Il pas qu'à mettre assez de policiers pour frontière là, qu'on s'en apprendait avec contrebande. On n'est qu'à dans le secteur privé, qu'on est que institution de contrôle capable d'empêcher que y ait contrôle monopole là, c'est le Parlement. Tout autant que rentre dans la logique pour continuer à dénigrer le Parlement, ça veut dire que le Parlement n'a pas besoin de bon niveau de moralité pour faire des propositions de loi. Et pour finir, allez-y. Dernière proposition de loi qui fait qui change l'économie en Haïti, c'est la proposition de loi que le député Steven Benoît a fait sur le salaire minimum. Salaire minimum n'a été sorti 70 gouttes, avec la proposition de loi Steven Benoît là, il est monté. Mais les gens qui sont dans le secteur privé font calcul. Il dit si Steven Benoît a fait une proposition de loi qui révolutionnait le salaire minimum en Haïti, si nous quittons la Chambre des députés, le Parlement, avec ce niveau de crédibilité, et bien là, ou pas quoi, nous avons fait l'autre salaire, on l'autre proposition de loi qui pour augmenter le salaire minimum non, de 500 à 600 gouttes. Et nous avons gagné une bataille là. Parce que nous ne croyons pas que la façon dont nous continuons la bataille pour dénigrer le Parlement, pas qu'aucun député ni sénateur n'a aucune moralité pour dire que nous avons fait une proposition de loi pour nous pouvoir. Alors, j'en parle là par rapport à tout ça qui a dit, il menti, il fait son bataille. C'est menti. Bati, c'est menti. Bati, du tout, c'est menti. Même d'où, en pile dans ça, on a dit, c'est une intoxication que lié et son bataille qui est bien calculée, qui est bien contrôlée. T'es bon campagne que le parlementaire a été lancé après 6-7 juillet. Bon, dès le campagne, la visage du Parlement, ou ensemble de privilèges que M. Dame était dit à vous tirer là-dedans, il a fait plus de séances, il a fait plus de population. Il y a même une organisation de la société civile là aussi qui a fait sortir un rapport côté mandat, par contre, ça n'a pas réglé certaines fois. Ou senti grand pile parlementaire pas tourner dans le département, pas tourner dans la circonscription, al parlementaire pour expliquer, mais qui ça travaille ou aille, mais dans quel niveau avancer, mais ensemble de GFO à faire pour participer à améliorer les conditions de la vie monde qui te vote. Comment tu penses ça, député prophète? Ma foi en confidence, et ceci, depuis que je me fais rencontrer dans la chambre députée, c'était le président Charles Chancy qui était là. Je dis, président Charles Chancy, son institution nous y est, parlement gagne budget. Gon campagne de dénigrement qui commence contre l'institution. Pour qui ça, même gens, la télévision nationale disait qu'il y a une chaîne de télévision publique, pour qui ça, le Parlement n'a pas une chaîne de télévision? Pour qui ça, nous n'avons pas une chaîne de radio, une station de radio? Pour qui ça, nous n'avons pas un monde qui est responsable pour faire relations publiques, pour nettoyer visage du Parlement? Il n'y a pas de ça au sérieux. Dans le deuxième mandat, Charles n'y a pas de ça au sérieux. Garibaldi devient président, tout dit, dit ça vous fait dilatoire, dit c'est député Caleb Deramo qui peut le faire, son pas pour ça au sérieux, et nous arrivons là. Et je ne dis pas peur de ça, ou député, même là où présent la caillou, particulièrement moi-même, quartier Morin, chaque semaine, mal quartier Morin, nous très proche de la population, et la population me sentit que je bien représente. Mais pour tout citoyen, dès pour son député, ou son volet, ou son vagabond, ou sont corrompus. Bagala vient arriver dans le niveau loi pour marcher dans machine avec machine officielle, depuis son plaque officielle, mon ouvre carrionné à Kewash. Quand il y a l'heure, il ouvre dit des injures contre vous, et comme dit, ça c'est la troisième étape là, la troisième étape qui pourrait arriver si vous avez des mesures qui prend, ou pas pétonner pour en tant que député, ou marcher dans la rue, et puis vous commencez à voir des objets sur vous. Parce que, dans cette population, vous faites comprendre que c'est moun sa yo qui est ennemi. C'est moun sa qui font un niveau de misère ça. C'est moun sa qui font un niveau de pauvreté ça. Gen des médias qui pointent du doigt que mais qui ça le budget du Parlement yé 6 à 7 milliards de gouttes et mais combien le Parlement coûte l'État haïtien, chaque député mais combien le coûte. Mais ça sont attaques qui étaient vraiment méchantes. On nous rentre directement dans qui ça budget Parlement représenté à budget national là. On dit budget parlement représente 6 milliards de gouttes.
ou un budget de 147 milliards de goudes, mais son institution. Mais est-ce qu'on connaît le que Parlement, ni chambre de député, ni Sénat, un budget de 6 milliards de goudes, l'argent qu'on connaît qui est reparti, il reparti dans toute société. Là. Parce que si on a 117 députés, moi-même, en tant que député, j'ai deux agents de sécurité, j'ai un chauffeur, j'ai une résidence pour le prince, il faut qu'on serve votre capteur à la donne. Je suis résident quartier, je suis un service qui travaille là-dedans. Je suis 8 membres de bureau. Je suis des consultants. Ça veut dire que l'heure où payer les députés, là, je n'ai pas venu dans mes députés. Environ moi-même seulement, je suis 17 personnes qui travaillent avec moi directement. Si chaque 17 personnes, ça, il y a 5 personnes que vous représentez, moi-même en tant que député, je suis même 100 personnes que l'argent n'a pas d'impact sur lui. Si vous prenez 117 députés multipliés par 100 personnes, vous avez 11 700 personnes qui bénéficient de l'argent de 117 députés. Vous n'avez pas de députés qui font même ça faire. Non, mais non, c'est pas que mais c'est tout député qui gagne l'argent de sécurité. Ça ne m'a pas l'air, l'autre monde ne travaille pas, non. Il faut gagner l'argent de sécurité. Il faut gagner des chauffeurs. Et ce n'est pas vous-même qui avez l'argent, non. C'est des gens qui ont payé. Il faut gagner des membres de bureau. Moi, j'ai un bureau, j'ai des gens qui travaillent là-dedans normalement. L'argent, ça, ce n'est pas demain député à l'Alvini. L'argent, il y a des gens directement. Ça veut dire où est que chaque député a un impact direct sur 100 personnes, 117 multipliés par 100 personnes, 11 700 personnes. Sans pour autant, où il y a environ 1500 personnes qui travaillent dans le Parlement. Il y a des gens qui boivent de l'eau, qui servent au café, qui sont agents de sécurité. Ça veut dire que les gens ont 5 milliards de gouttes, 6 milliards de gouttes de budget Parlement. Le Parlement entre la Chambre des députés et le Sénat a un impact de 30 000 personnes sur la société. Ça veut dire que leur ou craser le Parlement. Ou vous êtes député, ou vous êtes sénateur, ou pas vraiment fait ni député à tort, ni sénateur à tort. Majeure partie du temps, député avec sénateur, c'est des professionnels que vous avez. Néglaté docteur Sinal Bertrand, il n'est pas député, quand il a fait clinique. Là. Cyprien Praste, avocat, il n'est pas député, et bien il pourra le plaider. Mais c'est Mounsa qui te qu'on a touché à cause de député à l'occasion du Parlement, c'est Mounsa qu'on fait. Ça veut dire, 7 milliards de gouttes là, il a un impact sur environ 30 000 personnes dans la population. Et Mounou est capable de pour craser le Parlement, c'est des gens qui ont des contrats pour vendre l'État haïtien des produits. Par exemple, des gens, c'est véhicules que vendent l'État. Et bien, ça faut calculer, si le Parlement parle encore, il y a 7 milliards de gouttes qui ne peuvent dans le budget de l'État encore, dès qu'on vend l'État haïtien 100 machines par an, on va vendre l'État haïtien 150. Ça veut dire moitié dans l'argent Parlement, c'est lui qui va jouer dans le vente de véhicules. Je vous remercie, Marc, qu'on nous fait, par rapport à ce deal-là, peut-être que vous estimez un problème de transparence, c'est tout ce deal-là. Parlement, chaque mois, ou bien pas qu'on est chaque 6 mois, tu présentes la population rapport, mais sous site Parlement, on ne peut pas aller louer toutes données, ça, yo, peut-être que tu vas arriver à un niveau ça. Bon, et ça qui fait Mdou, son problème de communication. Et Mdou, qui est qui la cause? C'est Moun qui t'a géré Chambre des députés pendant 3 ans, m'a dit ça, il n'y a pas jamais trouvé de travail. Pourquoi vous nous parler? C'est dans la société, Chambre des députés, il dit, bon, voilà, député Esaïe Prophète. Mais ça le gagne comme l'argent, mais ça le fait avec eux, mais comment le dépense? Serge Junior, c'est pour nous parler. Et moi, si tu n'es pas là, je ne peux pas dire combien de gens me touchent. Député a touché 97 200 gouttes. L'État prend 30 000 gouttes pour taxes, l'État 67 000 gouttes. L'État aide à me subventionner un véhicule. Chaque mois, il prend 42 000 gouttes sous cobla. Salaire, moi, c'est 25 200 gouttes. L'État bam 30 000 gouttes comme frais fixe. L'État bam 15 000 gouttes, 4 téléphones. Il bam 25 000 gouttes pour fiche gaz. C'est ça, on salaire, député. Ça veut dire, pareil, qui ça peut dire? Ça veut dire, d'accord avec que le monde pense que le député, c'est riche. Et pas vrai, on fait calcul là. Ou fait télévision longtemps, fait recherche là. Al chercher député qui était là dans la 48e législature là, chercher qu'on est comment à vivre. Un exemple clair, un pile exemple. Al chercher député qui était dans la 49e législature là, un pile non même carré pas payer. Ça veut dire si nèg qui était dans 48 tandis que dans 48e non, ou sont dit ça, yo te kon décrier yo. Dans 49e non, yo te kon décrier yo, même j'ai décrier nous là. Ça veut dire les nèg là dans 48e c'est un voleur, son monde qui chité, mais qu'on y a il pas député comme même vivre pas vivre. 49e, non, même vivre pas vivre. Mais il y a des députés qui sont vraiment en difficulté. Ça veut dire non, 6 mois, les mandats ont fini, même vivre pas vivre. Parce que dans cette population, c'est nous qui faisons la population pauvre, pas vrai. Mais c'est nous qui faisons ça, c'est parce que nous ne communiquons pas. Bien sûr, un problème de, d'accord. De transparence. Ça veut dire, mais d'accord, tout, c'est parce que les gens qui sont en face, nous, en termes de système, ils font bon travail, tout. Puis ils contrôlent les médias pour dire, mais qui ça? Parce que un journal, pour dire, chaque. Député coûte les haïtiens 2,8 milliards de gouttes, 2,8 millions de gouttes. Mais son méchanceté. Mais le même journal sorti comment des réponses pour te dire. Oui, mais journaliste qui mettait article là, il ne connaissait pas méchanceté, il ne connaissait pas vrai.
Parce que s'il besoin qu'on ait l'argent qui est touché, il connaît mon bureau, c'est chèque que l'État baille. Il connaît que le consultant, c'est chèque que l'État baille. Il connaît l'argent qui vient dans le salaire député, c'est 25 000 gouttes, 27 000 gouttes. Il connaît ça. Il voulait faire pas en méchanceté. Ça veut dire qu'il y a un grand objectif, c'est que c'est soulever cette population contre élu. C'est contre monde qui sont dans la même classe avec lui, dans le même niveau avec lui. Ils veulent faire moun sa raili pour le fait que yo même côté au chita, ou pas jamais moi, ou pas jamais goumake yo en l'air, parce que bataille là est en fait au niveau de masse là. Je dis à nous estimer, nous avons suffisamment d'ancrage dans la population, parce que c'est des élus du peuple, population bonne mandat. De toute manière, tu as gagner une véritable complicité entre nous et la population. La population, ouais, nous avons senti fier, mais nous avons même senti à l'aise dans la population. Est-ce que c'est ça, je dis à lier, député prophète? De la réalité, elle passe ça. Je ne sais pas pour tout le monde, il passe ça pour tout le monde en général. Mais moi-même, quand je dis personnellement, quatrième, je n'ai pas de problème ça. Ok. Marcher à pied, quatrième, je n'ai pas besoin d'aucun agent de sécurité, quatrième. Parce que la population, ouais, elle a besoin de communiquer avec moi, je avec moi, je suis présent et plus ou moins bien représenté. Mais ce n'est pas le cas pour un pile parlementaire. Parce que le travail là vient arriver à un niveau qu'on y a population tellement quoi, c'est vrai. C'est tout comme d'adou là, excusez-moi pour un terme. Ou cas pour le monde qui est dans le secteur privé, vous mettez le camp là, et vous prenez un député, vous mettez le camp là, vous dites population choisie et demi. Et député là pour un. Tandis que le problème en Haïti, c'est le problème politique qui est non. Nous avons un problème économique en Haïti. C'est parce que l'argent particulier. C'est parce que l'argent était dans un groupe monde depuis plus de 200 ans, ils n'ont pas fait l'argent circuler. Mais, c'est ça le problème. C'est le problème politique. Mais on dit ça, il y a une parole qui fait comprendre tout. Nous n'avons pas le secteur privé, nous avons le contrôle en bas. Eh bien, c'est ça. Parce que, bon, m'expliquez, nous autres, tout ça. Nous quittons bas, nous bas, nous bas. Non, non, non. Bon, je ne connais pas pour tout le monde. Mais vous n'avez pas le contrôle, député prophète. Ça me connaît. Mais tout, comment vous avez le contrôle là? Vous avez le contrôle avec l'argent que vous avez. Les gens qui quittent ou achetent ou achetent. Mais tout. Ils sont impliqués dans le gouvernement. Tout. Et ça, moi-même, je ris. L'homme tendait des journalistes à dire député avec sénateur, pas voulait quitter ni premier ministre, ni président formé gouvernement. Je ris. Alors, secteur privé, il n'y a pas de ministre. Le gouvernement, après le fait, secteur privé, il n'y a pas de municipal. Donc, il y a une raison, tout le monde ne peut pas mettre tout. Non, mais en avance, le gouvernement a fait secteur privé, il n'y a pas de municipal. Les gens qui ont des médias, il n'y a pas de municipal. L'église met un ministre par lui. Ça veut dire que le gouvernement a fait l'église qui a mis un ministre. Les gens qui sont dans les médias qui a mis un ministre. Les gens qui sont dans le secteur privé qui a mis un ministre. Moi-même qui a fait politique, je ne vais pas proposer un ministre. Non, mais attention, le pouvoir de contre-loi. Ou quand vous jugez parti à la fois dans le cas. Ok, ça veut dire que lorsque je fais proposition de un monde comme ministre, ça veut dire que tout le monde, ça c'est dans la poche. Ce n'est pas vrai. Pas oublié. Ou il y a 117 députés. Un groupe de députés capable de faire proposition de un ministre, mais un groupe de députés interpellé. Son groupe de députés avec le président qui a proposé Jacques Guy Lafontaine comme premier ministre, oui. Mais c'est 16 députés qui interpellent, qui forcent l'aller. Et ça fait souvent. Ça veut dire, simple, pour moi, c'est là l'hypocrisie. Média a géré question médiatique. Est-ce que vous pensez que sous une organisation de médias, moi-même en tant que policier, je suis dit que je chef des médias? Non! C'est tout journaliste qui a choisi qui est qui a mis pour diriger les médias. Si gagnent l'église catholique a mis ton père ou monseigneur, c'est tout évêque qui a réuni pour dire que nous avons mis comme père comme monseigneur. C'est même dans le secteur privé ou une association de commerce ou chambre de commerce, les a mis président, ce n'est pas politicien qui est intervenu. Vous voyez pour ça aucun problème, c'est politicien qui a intervenu dans des affaires politiques. Mais sauf que pas que c'est problème de politicien faire, c'est peut-être par rapport avec nous-mêmes qui gagnons le pouvoir de contrôle. Ils craignent pour que par une gagne trop complicité entre l'exécutif et le législatif. Et ça, contrôle pas qu'à faire. Par exemple, le fameux dossier Petro Caribe qui a fait parler de lui, je dis, il y a un peu de monde qui a demandé où était le Parlement. Serginho, la politique, c'est l'affaire des politiciens. Tout le monde d'accord sur ça. Bien sûr. Deuxièmement, pour que ça, c'est seul en Haïti, il y a un problème, c'est que c'est des hommes politiques qui font des propositions. Aux États-Unis. Il n'y a pas de parlementaires. Non, mais c'est la même chose. Aux États-Unis, le que président Barack Obama a monté, mais son sénateur, ancien sénateur Bill Nelson, oui, qui font proposition de qui est ambassadeur des États-Unis en Haïti. Mais pas quelqu'un qui compte ça, non? Pour quelle raison qui fait que le ce président démocrate qui l'a, mission diplomatique là, reflète l'esprit de démocrate,
Lorsque le président Donald Trump qui la mission diplomatique là reflétait l'esprit d'un républicain, ça veut dire pas le changement qui peut le faire dans le gouvernement, pas le proposition qui peut le faire, mais c'est des hommes politiques qui font proposition. Ce n'est pas seul Barack Obama qui propose tout le monde dans le cabinet, non, ce sont des parlementaires. Mais pour qui ça en Haïti son problème, lorsque un député ou un sénateur propose au monde. Mais l'institution de notre pays, ça a été solide. C'est peut-être ça a pile mon père, député prophète. Le pays, ça d'accord. Là, maintenant, il y a des limites que l'autorité a été. Mais je veux dire, là, lorsqu'il propose un ministre en gouvernement, un ministre a fait des ordres, vous pensez qu'il y a le courage qu'il faut pour rappeler la loi pendant que c'est où que tu mettais dans le job là? Moi-même, personnellement. Moi-même, personnellement. Je ne sais pas si je peux arriver au niveau d'influence pour que je fasse proposition de ministre. Je ne peux pas faire proposition d'aucun ministre et ministre, c'est bon, je m'a intéressé à lui. Mais semble combattre, c'est l'hypocrisie qui existait à ce niveau. Sans pourtant, ce n'est pas parce que je suis 100% d'accord, non, mais je ne parle pas de politique de deux poids, deux mesures. Je ne parle pas pour qu'on ait cap fait comme, on est qui dans le business. On est qui gagne un produit là vendre ses voyages, acheter machine à l'étranger, venir faire machine des douanes. Next a besoin de contrôle ministre finance pour le capable de franchise douanière. Il besoin c'est lui pour mettre directeur douane. Il besoin c'est lui pour mettre directeur à peine pour le capable protéger produit par là. Et puis qu'on y a moi-même qui t'ai gagné un technicien, qui t'ai consultant l'homme des candidats, qui t'a fait campagne avec moi, qui t'ai travaillé avec moi pendant des candidats pas de payer pour le faire que ce technicien lié. Qu'on y a un fin député. Et puis, je n'ai pas qu'à proposer comme technicien pour venir travailler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas qu'à travailler, travailler comme député, sous proposer et puis président, par exemple, pour émettre d'accord. Non, il n'y a pas un problème à la mesure que l'homme finit de proposer, il peut faire travail de technicien. Et sans pourtant, si toutefois, pendant que je propose là, il commet des crimes financiers, il y a après dans l'État, normalement, je n'ai pas qu'à protéger. Ok, comment vous dites là, pendant plus de fois dans l'émission, mon secteur privé qui est même très présent, et vous avez des exemples tout à l'heure. Mais comme autorité, puisque nous votons pour représenter nous, c'est Dieu, vous pas pour dénoncer, non, mais pour demander, pour avoir une disposition qui peut, pour bailler, ça va arriver. Bon, c'est là encore complexité de dossier. C'est que vous pensez que pas un monde qui a assez de cran pour faire des propositions pour diminuer le monopole dans le pays? Vous pensez que pas un monde qui a cran pour faire des propositions de loi pour dire ou pas qu'à faire ça ou pas qu'à faire ça? Mais c'est là où pour nous, avec le travail qui fait contre l'institution parlementaire, là, vous venez que ce soit une institution qui n'a aucune crédibilité pour faire aucune bonne proposition pour le monde pour enseigner. Tant que vous gagnez plusieurs générations passées, ou capable de bon problème qui était connecté de génération, il y a des gens qui viennent qui font le nouveau. N'espérez que un jour, la majorité des gens qui viennent représenter la population, capable de gagner à cœur, c'est défendre l'intérêt pays d'abord, défendre l'intérêt communauté que vous venez représenter, en guise que vous venez défendre des intérêts de groupe, ça va privé. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment croire que nous là. Sous ta baille, si vous avez considéré son échelle de 10, dans la dernière année, comment tu as baillé le statut ça? De ça ne fait pas quoi, ça ne fait comme travail. Vous nous faites moyen, non? Tu as baillé 6. Tu as baillé 6 sur 10. C'est une bonne note, selon vous. Bon, il n'y a pas une note parfaite, mais il n'y a pas tellement mal passé ça. Parce que, comme je dis, je pense que le plus gros problème que les États-Unis ont gagné, c'est un problème de communication. Il y a un travail qui est fait, mais il n'y a pas communiqué. Par exemple, je dis la nouveauté. C'est voulu. Mais c'est... Bon, peut-être, je ne pas voulu utiliser un mot qui est trop fort. Peut-être que le monde qui a dirigé ça, ça ne peut pas être prioritaire pour eux. Mais après, il faut apprendre leur raison. Bon, je dis, ou je n'ai pas peur, je dis, mais qui est-ce qui conseil là? Pendant deux mandats, président Charles de Chancy me dit ça. Pendant deux mandats, Gary Baudot me dit ça. Il me dit qu'il faut avoir un organe pour véhiculer. Parce que, vous voulez me des députés là. Ouais, si je veux la caille député Wolf Papillon, ou elle mène une enquête, Wolf Papillon fait pile travail à la caille. Soit la caille député Fritcheri, soit la caille député Zahi Prophète. Grand pile député qui est bien vu par la population, mais pas de monde qui est. Tandis que même moun sa qui bien vu des députés, le lap tende dans la radio, c'est discrédité seulement le lap discrédité tout député, tout parlementaire. Ça veut dire qu'on travail qui était supposé prendre en charge par le bureau de la Chambre des députés pour être capable plus ou moins contrecarrer le travail de dénigrement ça qui fait contre l'institution et plus ou moins être capable prouver que, mais qui travaille que la Chambre des députés a fait. Allez, ça, nous avons deux dossiers qui doivent tenir à cœur. Loi électorale là, et puis, ils sont en mode de constitution. Quid de loi électorale là?
si gen yon bagay m pa fier la dan le collègue mwen yo, c'est peut-être pas le fait que yo pa te rive mette campé un conseil électoral permanent. Yo kite politique de clan pour yon devant tant que pour yo mette des institutions clés à PIA. Parce que m'a dit ça sincèrement, c'est mauvaise politique qui fait que nous pas de gagnon conseil électoral qui est formé. Deuxièmement, loi électorale là, étant donné que gon commission qui déjà t'a travaillé sous loi, il a préparé rapport là, c'est vraiment absence de séance qui fait que commission pour qu'on bail rapport li, mais gon travail qui vraiment avancé sur question loi électorale là, gen député Patrick Nozeus qui a travaillé sur ça, qui dit rapport là presque prêt et m'bon garanti il paraît pour nous une priorité, il faut que nous votions loi électorale là, il faut que nous votions budget là, parce que année ça soit année électorale, faut que nous fassions élection. Faut que nous fassions, bien sûr. Est-ce que la fête? Bon. Tenant compte de ça, nous là comme réalité. On paye pas un droit pour le choisir. Si la fait la loi respecter, non? La loi doit respecter. On ne paye pas de droit. Ça, c'est l'idéal, député. Mais c'est ça le doyen. On a parlé de pays, nous, là, nous connaissons une situation. Est-ce qu'on connaît qui va faire en arrière, surtout dans un gouvernement de salut public encore? Surtout dans une question, le président Vinal pas faire mandat? Surtout dans une question que le Parlement allait pour pas avoir l'autre législation qui est en place? Chaque fois, nous disons que nous avons dit ça, nous avons fait. Bon, et ça fait que nous pensons que y a une nécessité pour que nous fassions élection, parce que ce n'est pas si nous voulons faire élection. Faut que nous fassions élection parce que l'hiver en date pour nous faire. Je pense que il paraît pour nous en priorité pour que la loi électorale là qu'on nous reprenne séance pour voter et puis pour le président capable promulguer lui pour nous capable commencer à rentrer d'emblée dans l'élection parce que jusqu'à présent le conseil électoral qui là pense que nous capable faire élection jusqu'en novembre. Nous avons un petit temps devant nous pour faire toujours depuis que l'argent que nous demandons pour faire là qui c'est 58 Union de Goutte, depuis nous, il y a plus ou moins capable de faire élection en novembre. Et acteur politique dans le cas qui croit que le CEP n'a pas de faire élection? Qui l'a où j'aime connaître élection faite en Haïti, acteur politique qui n'a pas besoin d'accord? Dis-moi qui dernier. Élection pour l'élection? Non, mando qui dernier l'heure où connaît que vous d'accord pour l'élection, premièrement. Deuxièmement, qui dernier l'heure où connaît, y aller dans l'élection, vous perdu, vous acceptez pour perdu. Ça veut dire soit un signal de acteur politique qui connaît qui l'a pour faire élection, pas j'aime faire élection dans le pays. Ou fait élection moyennant que ou même cap organiser élection ou créer conditions pour tout le monde aller dans élection ou prendre engagement pour pas faire aucune élection et puis monde qui voulait aller dans élection il y a valé ça pas voulait tant pis pour eux ou même ces conditions réunies je dis parce que question sécurité conditions yo il y a pas de jambes réunies à 100% ça a vraiment besoin ou besoin que gouvernement dise qu'il y a volonté pour faire élection tout acteur a besoin que gouvernement pas jouer de coquin pour capable accaparer le résultat élection, c'est ça qui est important. Après ça, reste condition qui doit réunir, c'est une condition de sécurité. Il faut que la paix plus ou moins rétablie, particulièrement dans la capitale là, une situation de sécurité qui a augmenté. Je pense que faut président, premier ministre, là, chef de la police a pris des mesures pour réduire le problème de sécurité. Après ça, depuis le gouvernement a lancé la question d'élection, si il y a un dialogue qui doit continuer à faire pour mettre les acteurs en confiance, c'est ça qui doit faire. Parfait. Nous allons dire, puisque je connais le capitaine nous arrivé là, interpellation, Premier ministre, de manière à tout le monde cabinet li, au niveau de la Chambre des députés. C'est pas nous qui avons fait l'avant, c'est le Sénat qui a demandé pour interpeller le Premier ministre, ministre justice, ministre intérieur sur ces 7 étrangers. Pour qui ça, Chambre des députés a décidé. Pendant que le Sénat a demandé pour le Premier ministre de descendre avec deux ministres, nous voulons interpeller tout le gouvernement. Parce que l'action sénateur est tendancieuse. Moi, je pense que si le sénateur, qui est des sénateurs de l'opposition, était vraiment voulait faire un bagage qui paraît clair, qui est normal, il était interpellé seulement le Premier ministre. Soit pour le Premier ministre, on vote. De nos confiances, de vous jeter Premier ministre, là, ou tout jeter tout gouvernement. Pour qui ça pour interpeller ministre intérieur, là, ou interpeller ministre justice, là, et pour interpeller le Premier ministre. Ces droits sont assemblés que vous avez, vous avez pour faire ça, vous voulez. Même gens, nous, même tout, nous capables de faire une lecture, nous décider pour nous capables d'agir. Mais séance qui a fait dans le Sénat, il n'est pas obligé
gagné pour avec séance qu'a fait dans chambre député, c'est deux chambres qui travaillent de façon individuelle, chacun grand monde, Sénat fait interpellation par lui. Si toutefois premier ministre a gain temps aller dans Sénat, si déjà une décision qui prend, yo renvoie premier ministre là, le ça nous pas même besoin faire séance par nous dans chambre député. Si yo bail premier ministre là un vote de confiance tout, le ça nous pas même besoin faire séance tout dans chambre député encore parce que premier ministre a gain 6 mois avant pour nous capable interpeller encore. Ça veut dire séance qu'a fait dans chambre député a pas vraiment gain rien pour voir avec ça qu'a fait dans Sénat. D'attendre sénateur l'attendu matin sur station sœur Radio Caraïbes qui souligne que d'estimer qu'on manque d'élégance bon côté chambre député a. Si qu'on manque d'élégance c'est bon côté Sénat manque d'élégance là commencer d'abord. Ça faut dire ça parce que c'est vous les temps avant. Et premièrement on parle de manque d'élégance là c'est parce que sénateur a fait bagarre là bon, comme c'est lui qui t'a parlé. Mm-hmm. Il fait bagarre là avec des intentions des têtes li que gon bagaille que le veut faire et toujours tout ça à malin malin et demi s'il vraiment j'en la parler là il montre que le pour le premier ministre aller pour ça c'est pas seul premier ministre devoir aller parce que façon le parler dans caraïbe matin il montre que il pas satisfait de résultat. Mm-hmm. Séance qui était faite là il dit c'est tous les trois qui pour aller c'est ça le dit mais si c'est tous les trois qui pour aller gagnon seul de pour voyer aller tout à balle pour que ça ouille tous les trois. Ça veut dire peut-être sénateur pensait que sénateur a pensé que on manque d'élégance d'abord dans l'action qu'il posait. Ça veut dire c'est pour Roche. On sait Guy sous Roche, c'est un arrangement que tu as gagné pour pas connaître tout bagaille qui fait il pas fait devant m'a témoigné en tant qu'homme d'état, m'a pas dit mais qui ça dit. Sauf qu'on a des doutes sur cette démarche là. Bien sûr. Parce que qui ça ta motivation sénateur dans cas ça. On pas connaître, c'est sénateur. C'est sénateur qui t'a demandé. Mais tant qu'on dit si toutefois ce gouvernement sénateur était voulait voir aller était simplement le premier ministre là depuis que le premier ministre là tout ministre là mais le ministre justice et le ministre intérieur là le premier même là peut-être qu'ils ont l'autre intention d'être lui que pas connaît et que pas interpréter mais on dit tout on dit député a fait ça au fait c'est parce que on pas voulait pour ministre une explication sur cet étranger nous les casser faire couvrir ça et ça c'est un peu sénateur dit pas quoi c'est vrai parce que au niveau de la chambre des députés il était convoqué le ministre de la justice pour venir bailler information. Et c'est avantage qui gagne dans la chambre députée. Dans la chambre députée, il n'y a pas de question de bloc majoritaire, il fait ça, il veut. Bloc majoritaire, la sortie de 70, il passe à 52 personnes. Il y a un bloc qui est bloc épan, qui est un bloc qui est plus ou moins au centre, il y a 48 personnes. Et motion pour interpeller le ministre de la Justice, c'est par même qu'il n'a épan que le sorti. C'est-à-dire qu'il y a un bloc de l'opposition. Ça veut dire, il y a tant de justice en tout pour venir répondre question sur question. Et mercenaires. Ça veut dire pas question de c'est parce que yo pas avlé bah information pas quoi que c'est ça. Mais pour qui ça nous même nous obligé font campé sur interpellation de justice là Jean non, yo, le collègue était souhaité là nous aller chavirer sur yo pas yo pas campé sous lui simplement président pour côté réuni en conférence des présidences puis ont bail une date. Mm-hmm. À séance interpellation qu'on y a là il y a deux possibilités si toutefois gouvernement arrêté. Eh bien, a toujours gagné une séance d'interpellation à part le ministre de la Justice. Mm-hmm. Si le gouvernement tombe, nous n'avons pas même besoin d'interpeller le ministre de la Justice encore parce que le gouvernement est déjà tombé. Parfait. Ça veut dire que la motion n'est pas tombée, elle est toujours là. Mais il y a des parlementaires qui ont la donne d'Hérita Dieu, Peter Belizer, Roger Millien, etc., qui même vont noter là de principe, qui ont demandé que Fok nous a ouais. Et des marches nous aujourd'hui, ya, puisque l'on interpellation était déjà pendant pour le ministre de la Justice, pour que ça tout marche pressé ça, pour que nous allons tomber dans le gouvernement, pour le ministre, etc. Par contre, ça va passer. Député, ça va venir dans la séance là, et puis on fait parler de point de vue. Mm-hmm. C'est le député, oui, il y a un droit pour parler. Député Jerry Tardieu, Roger Millien, pour entabiliser, après le premier coup, il dit, mais il y a un point de vue. Et peut-être, ça, un peu le monde va comprendre par le fait que vous interpellez le gouvernement, pas me dire que le gouvernement a tombé. Capable bien que c'est information qu'on besoin. Mais je nous reproche, je regarde les notes que le chef de député a envoyées par le premier ministre. Il t'a fait dire que déjà, nous n'avons pas trop d'accord avec sa premier ministre qui est réglé dans le premier ministre. Il n'a pas été difficile pour que le tableau vote de confiance. Par rapport à ça, je suis dans l'éclat. Moi-même, je ne pas quoi dans la logique renverser le gouvernement. Si je ne sais pas, je ne crois pas dans la continuité de l'État. Je crois dans la stabilité. Pour moi-même, chaque long premier ministre monté, autant de 6 mois où vous y allez, ou fait l'État, fait back en arrière.
avant pour qu'on l'autre premier ministre qui va prendre 4 à 5 mois avant de comprendre l'état son retard qu'on fait. Moi-même plus quoi dans la logique si toutefois un gouvernement monté président c'est le choisi premier ministre li, selon moi-même quitte le travail avec premier ministre li, pour que ça que te promet dans campagne là il fait. Et en tant que député je pense que si gagne un bagage que doit retirer dans mon parlement c'est droit que le gagne pour capable renvoyer un gouvernement. Doit gagne choisir tout. Et président capable choisir chambre député à ratifier mais si gagne bagage qui pas marché ou interpeller ou poser une question. Quel que soit la séance là fini, il pas obligé fini par un vote de nos confiance. Après président fin garder performance gouvernement. Selon accusation qu'on déposé contre lui, président capable de demander pour le gouvernement démissionner. Parce que, honnêtement, forme nous en tant que parlementaire, chaque fois un groupe n'est demandé pour changer le gouvernement, son marchandage politique lié. Ah bon? Bien sûr, quelquefois c'est ça lié dans la réalité. Or, c'est ça m'a vu. C'est ça m'a vu. M'a connu, c'est ça qu'a fait là. M'dou quelquefois. Tant qu'on dit, même si m'a connu, en tant que d'état, m'a pas dit. Quelquefois. M'pense que Haïti, et c'est ça qui fait m'dou que nous obligeons à faire élection. Parce que à l'échelle internationale, tout le monde dit un pays qui a besoin d'avancer ou besoin de 30 ans de gouvernance stable. Dans le cas où nous faisons élection présidentielle chaque 5 ans, ça veut dire nous avons besoin de 6 élections présidentielles qui fait sans interruption. Sans qu'on parle d'un gouvernement qui tombe ou pas. Ça veut dire que nous besoin de 6 élections présidentielles si vraiment on respecte le principe ça ou commencer. Mais là, il y a un monde qui est président. C'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait un programme. L'obliger à choisir un premier ministre sans pour autant qu'il passe aussi dans le même camp politique, li, façon constitution en fait là. Quand il y a envie de mettre le président au niveau, quelquefois, il est obligé de diriger avec un adversaire qui n'est pas bon, qui est en retard. Ça veut dire, ou mettre un nègre là pour 6 mois, après ça, vous voulez aller, ou pour aller prendre l'autre encore pour 6 mois, il n'est pas bon. Ça veut dire ou pas une période de continuité côté que l'état stable va avancer. Moi-même sincèrement par le fait que d'accord sur principe d'interpellation qui dit nous te mettons là pour 6 mois, nous te boyon agenda de travail ou te dit mon gon programme de gouvernement mais qui sont à faire m'a prélo après 6 mois pour me poser une question est-ce que sortez du t'a fait dans programme là est-ce qu'on exécute le? Est-ce que problème dans côté du t'a pas venir résoudre là ou résoudre? Même pas pour aller dans la séance là avec une idée de tête, même si je vais le jeter au gouvernement, non. Je vais le chita, je vais attendre des arguments. Si le premier ministre est convaincu, je vais voter pour lui, même si tout l'autre monde vote contre lui, je vais convaincre, je vais voter pour lui. Ça veut dire que c'est le résultat de débat, résultat de question avec réponse qui fait me connaître dans quelle façon je vais voter. De toute manière, nous avons assemblé politique. Bien sûr. Et c'est des hommes politiques combat. Décision, ça, dans une séance d'interpellation, une grande portée politique. Et généralement, conviction parlementaire fait avant séance. Et soudain, même coup, vous séance pour Michel Pierre-Louis, séance Jacques-Edouard Alexis. Et généralement, tout le monde connaît dans qui sens votre parler depuis avant séance a démarré, quel que soit ça pour vous dire en bas. Ou d'accord avec, mais ça qui fait nous dans le niveau ça. C'est ça qui fait après 215, c'est là nous y même. C'est parce que dans le pays, ça, c'est celle politique qu'on fait. Nous faisons trop politique en Haïti. Mais qui politique tout? Non, c'est ça, c'est mauvaise politique. C'est ça, Mabdou la même. Et je pensais que c'est ça pour les Haïtiens commencer à l'ouvrir. Nous faisons trop mauvais politique dans le pays. Ou pas qu'en tant qu'élu, pour que l'intérêt primaire qu'on vient défendre, c'est l'intérêt groupe. Côté intérêt national. Est-ce que là, je dis à tout par rapport à ce qui a passé entre Sénat, Chambre des députés, ce n'est pas à ta coup, on bataille à distance entre le palais et la primature. J'ai eu chance de parler avec le président Jovenel Moïse. Je dis, président Jovenel Moïse, bataille ça que vous entamez avec PM, il n'est pas bon. Premièrement, le moment n'est pas propice. Deuxièmement, l'heure où vous voyez Jacques Guy Lafontaine, vous avez le choix. C'est soit vous avez décidé de choisir, c'est un, ou non, pas de choisir. Dès que vous acceptez de choisir, que c'est forcé, vous avez force au choisir, il faut travailler avec lui. Vous parlez pour Michel tout? Bien sûr, je parle de ça chaque jour. Je dis, président, il faut nous résoudre le problème. Il dit Esaïe, ou toujours qu'on est que, toujours il y a un conflit entre la primature et la présidence. Il dit oui, mais il faut être capable de gagner un peu de confiance de PMO pour qu'on soit capable d'avancer. Après, je finis par la veille, plus ou moins, montrer que vraiment PM n'était malade, dit à l'Oueli, situation plus ou moins, dit bien. Et je parle avec PM, je dis le même bagarre là.
Parce que même si tu as vraiment un conflit entre la primature et la présidence, dans le moment de difficulté que nous sommes là, je ne pense pas que c'est un bon moment pour batailler ça. Je pense que son bataille, monsieur, tu es capable de renvoyer de l'autre côté. Mm-hmm. Mais quelquefois, ça qui vient dans la politique, là, c'est que ce n'est pas deux acteurs qui font conflit. C'est le monde qui est autour de eux. Okay. C'est consultant, c'est conseiller, c'est adversaire. Yo. C'est le monde qui alimente la bataille, là, qui fait bataille arriver là. Et je pense que c'est ça qui est le problème. Ça veut dire, je pense que, et je n'ai pas peur de dire ça, ou avez voyé ces gens, les jeudi, le problème n'a pas résolu. Même Jean Leo, vous avez voyé Jacques Guy Lafontaine, vous avez dit, vous avez Jacques Guy Lafontaine, ce n'est pas la solution au problème. Le problème pays d'Haïti plus profond. Problème pays d'Haïti pas dans le changement de gouvernement. Et je vais aller plus loin. Il y a des gens qui ont demandé pour vous, je venais aller. Même si vous voyez, je venais aller, le problème pays n'a pas résolu. Parce que chaque fois que nous faisons face à la difficulté, nous prenons un bouc émissaire. Gonle, c'était Duvalier en 86. Gonle, c'était Jean-Bertrand Aristide en 91. Gonle, c'était Jean-Bertrand Aristide encore en 2004. Gonle, c'est Préval. Gonle, c'est Michel Matéli. C'est pas qu'on y en a voué Premier ministre aller. Nous voyons Jacques-Édouard Alexis aller. Nous voyons Madame Michel Duvivier Pierre lui aller. Le problème n'est pas résoudre. Le problème est plus profond que ça. Parce que le problème, c'est un problème de structure, un problème fondamental. Nous avons un pays qui a fonctionné, mais qui n'a pas un système de société qui est lié à un système économique, un système éducationnel, un système politique. Ça, c'est un travail que nous étions supposés faire depuis 1804, après la guerre de l'indépendance, que nous n'avons pas fait. Parce que pas bien. Où sont les pays qui étaient colonisés? La France était colonisée. Par le fait que la France n'a pas négocié l'indépendance là avec vous, la capacité de gestion que la France te gagne, il pas de partager là avec vous. Il pas de baoul. Ça veut dire toute capacité de gérer une nation là avec lui. Or, sans ben esclave côté, esclave pas de gain culture ni coutume comment pour diriger une nation. Jean-Jacques Dessalines qui vient de nous indépendance là 2 ans après nous tuer. Ça veut dire depuis après la mort de Jean-Jacques Dessalines, pays à nation pas j'aime chita pour me dire bon font système sociétal. Bon, font système côté comme gros système éducation qui matche avec un système politique, qui matche avec un système économique, qui matche avec un système. Nous pas gagne ça dans pays. Les Jean-Bertrand Aristide vini dirigeant façon. Le Préval vini dirigeant façon. Le Matéli vini dirigeant façon. C'est chaque président qui vini utiliser dire PHB, pays pas fait comme ça. Nous pensons que faut nous prendre nous pour nous faire pays, le nous fin faire pays n'va pas mon diriger. Mais ce n'est pas le monde pour nous diriger parce que nous n'avons pas rien à nous diriger là. Mm-hmm. Et je te dis ça déjà, ça nous besoin qu'on y a, c'est bien malheureux, son élu qui a dit ça, ça nous besoin qu'on y a une élection. Nous avons besoin de période de temps pour nous organiser la société. Minimum période de temps, ça, c'est 10 ans pour y a. Mm-hmm. Un gouvernement qui est là, pas pour venir diriger, mais pour venir établir une société, venir créer une société. Donc, ou bien placer, ou vous faites parole ça, ou vous écoutez pour arriver. L'homme te commence à parler de parole ça, nous avons vécu aux États-Unis, nous sommes simples citoyens. Nous avons dit dans la radio depuis 2004, dans l'émission Carrefour Alex Insurant. Pour le fait que nous sommes seulement auditeurs, nous avons une voix qui écoute. Je ne dis pas une voix qui écoute. Ça veut dire qu'on avancement qui fait. Je ne dis pas capable de dire dans la télévision nationale d'Haïti. Ça veut dire que message là commence à aller. Ou ka dire Richard, ou ka dire tout, même plus au niveau de l'État. Bon. Ou ka parler avec collègues ou yo. Même si j'ai dernièrement, le te gagne un problème pour te choisir pour le ministre, groupe député Noyo, te gagne réserve par rapport au ministère planification à combien externe. Bien sûr. Et là, ça défend pile tollé. Bien sûr. C'est parce que quand même, il y a une certaine influence qu'on gagne avec tout collègue ou yo. Eh bien, simplement, tout ça, oui. Longtemps, des auditeurs, qu'on y a son élu. Peut-être demain, si Dieu veut, je suis capable de sénateur, laissez-moi une voix qui puisse écouter. Et si toutefois, je viens de prendre promotion, je vais une voix qui puisse écouter, laissez-moi dire, mais ça qui va. Ce que je dis là, je partage avec des élus, je partage avec des gens qui sont plus haut niveau dans l'État, mais quelquefois, on a l'impression en Haïti, l'on parle, c'est un coup son voix qui a parlé dans le désert, on ne peut pas attendre. Mais j'espérais qu'un jour, le message va arriver, qu'on ne suspend pas du temps de faire élection. C'est là où fin créer un bagage au bon monde gérer. Tout le monde peut créer ou pas qu'à bon monde gérer. Moi, je dis que je vais respecter la loi. Je ne parle pas de question élection
par rapport à la condition qui est beaucoup possible là. Mm-hmm. Il faut respecter la loi. Même, bien sûr, même le pas une société qui est normale, mais plus ou une constitution, ou une loi. Ça veut dire, loi que nous faisons là, il n'y a pas allié. Parce que bon, bon exemple, qui s'allie? Où est aux États-Unis? L'autre monde à l'école, dans le jardin d'enfants, il fait éducation avec la télévision. Ou est même sa timoune ça apprend depuis le jardin d'enfants, il apprend à partager. Il apprend à négocier. Il apprend que l'orgivé faut faire sacrifice. Ça veut dire le petit monde ça qui apprend ça comme une formation de base, rivé un politicien, l'autre vini venant l'heure pour faire consensus, il n'y a pas de problème pour faire consensus. Il était déjà apprend depuis à la base. Ma bonne exemple. George Bush, Al Gore, élection présidentielle. Gè conflit. Ça, Al Gore fait, il dit pour le bien de la nation, moi, à l'école, qui était George Bush président. Après, la couche est drachée. Bien sûr. Conflit, Jean-Bertrand Aristide, Evans Paul. Il y a un qui m'a quitté pour. Vous connaissez le résultat? Blanc qui vient. Faut qu'on système éducation qui est lié à un système économique, qui est lié à un système politique. C'est ça où les sociétés. Bonjour, comment va la balle passer là? Passer dans le niveau de la chambre là. Matin? Matin. Bon, moi-même, en tant que député, je suis convoqué à 10h dans la séance. Je ne connais pas si la séance a commencé dans le Sénat. Est-ce qu'il y a bien quorum? Mais ça, je me connais à 10h dans la chambre députée. Pas bien quorum dans le Sénat? Non? Je ne connais pas. Bon, sénateur. Je dis, je ne connais pas. Non, mais bon, sénateur, c'est tout. Non. Ou que c'est en bas? Non. Si je ne vais pas faire, je ne vais pas dire qu'il va passer dans le Sénat. Je ne vais pas dire qu'il va passer dans la chambre députée. Ça va passer dans la chambre députée. Non. Nous pas attendre. Nous pas attendre argument et moi même personnellement si premier ministre convainc moi m'a ballon vote de confiance, il met tout le monde voter contre depuis le convainc moi parce que moi pas un vote qui déjà programmé. On pas faire ça. Non pas un vote qui arrêté, on pas faire ça. Comment tu penses il va ou parler avec monsieur dans député. Moi même gagne un bloc que m'a appartenir là dedans que c'est bloc EPAN. Convocation tellement faite rapide. Nous pas de grand pile temps pour nous réunir pour nous connaître qui s'attend de cela. Il y a des réunions qui étaient faites malheureusement pas là dans des quartiers Morin, ça veut dire pourquoi vraiment connaître qui s'attend de cela. Mais moi personnellement, je me pas un vote qui est déjà arrêté, c'est tendez pour attendre argument qui pour le défendre le ça m'a pas connaître qui côté m'a positionner moi. Bon être cap circuler là comme quoi que monsieur demandé bureau pour prendre titan pour lui parce que il interpellé dans le Sénat tout, Sénat avant puisque déjà dans le Sénat faut le finir dans le Sénat pour venir joindre nous. Ça me pas au courant de l'être là et me penser que si on décision qu'a prend c'est seul le président de la Chambre des députés qui a gagné pour connaître est-ce que l'obtenir de sa première ministre de Poudbalil ou bien est-ce que l'a continuer avec séance. Parce que de toute manière, si le Sénat a fini de trancher, nous n'avons pas gagné encore. Non, mais c'est ça, Mzodjou. Là, ça veut dire, si séance est faite dans le Sénat, depuis que le premier ministre a un vote de confiance, ça veut dire reconduire. Quand il y a là, nous n'avons pas besoin de faire séance dans la Chambre des députés parce qu'il y a 6 mois. Si yo voyez aller tout, nous n'avons pas besoin de faire séance encore parce que le gouvernement n'est pas là. Ça veut dire que c'est séance dans le Sénat qui a primé pour nous connaître qui ça résultat pour lier. Qui chance nous avons pour ce pas nous fait 10h du matin. Mais qui chance nous avons pour le faire? Si toutefois séance n'est pas faite dans le Sénat, il pas faite dans le Sénat, il faite dans la chambre députée parce que je ne sais pas quoi pour le ministre capable dans 2 chambres à la fois. Pour ne pas faire dans le Sénat, ça peut passer. Bon, si vous ne pas faire dans le Sénat, soit vous renvoyez la séance là, si vous ne pas renvoyer la séance là, étant donné que vous avez une quantité de sénateurs qui doivent là pour capable gagner quorum, depuis pas gagner quorum, parce que séance là, la renvoyer le seul capable faire dans la chambre députée parce que pas oublier c'est 2 chambres séparées qui travaillent. Okay. Si que ou dans le Sénat ou pas dans la chambre députée en même temps mais si ou pas dans le Sénat ou capable venir dans la chambre députée les monde qui garder dans la population ça qui fait la Sénat frappé chambre députée frappé les monde qui t'a envie de députés vous faites et Haïti dans tout ça honnêtement et sincèrement ça me dit là le grave on pas quoi Haïti dans mi-temps ça qui fait là honnêtement et sincèrement en plus pas c'est politique qui a fait là. On baille que m'ba j'aime vraiment voulez prendre balade. M'ba vraiment croire que Haïti intérêt pays a il prime dans ça qu'a fait là. Mon est avec vous. D'un côté comme de l'autre. Des deux côtés. Et c'est Samson d'Abdou là. Je pense que nous besoin l'autre classe politique. Nous besoin un autre groupe monde qui fait politique. Qui pa ouais bon râler bagala pour le bon point mais bon faire pour le bon pour nation pour pays a. Et me penser que pour nous joindre l'autre groupe monde ça c'est dans élection pour nous joindre. Pas quoi que tout député pas bon, tout sénateur pas bon. Second député pas bon, sénateur pas bon, à l'élection, changez le. L'eau pas quoi, capable de jouer dans le monde qui est bon pour diriger. Moi, je dis élection, c'est pas là de priorité, par rapport à ça, nous avons un non, mais, et ça qui fait un peu de fini, ça qui doit faire là, en gros, c'est un gouvernement qui pouvait créer une nation dans 10 ans, un mandat de 10 ans, dans 2 ans, avant le mandat de 10 ans, venir, ou un conseil électoral permanent,
qu'on y a Calvin faire élection. C'est à partir de 10 ans pour capable faire élection le soir. Et logique là, c'est 3 partis politiques maximum qui doivent aller aux élections. Pour avoir une élection, vous avez 220 partis politiques. Conseil là. Le conseil qu'il a, au conseil de gouvernement, au conseil de gouvernement de la République, mais il n'a pas vraiment un mandat pour faire élection dans 2 ans. Il vient de commander pour des structures dans le pays. Le ça, conseil ça, ou pas même besoin des politiciens là-dedans. Des techniciens. Dernièrement, on invite qu'on recevra. Politico-politicien. Non. On invite qu'on recevra là, c'est un économiste. Ce sont des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents. C'est le monde ça pour nous mettre, qui pour prendre des décisions pour le pays. Nous ne pouvons pas tout en quitter le pays, c'est l'affaire des politiciens. On peut être dirigé par techniciens, monde qui qualifient, monde qui compétent. On quitte monde qui qualifie, qui compétent. Gérer une structure politique, l'on finit par politicien dirigeant. Parce que dans la réalité, où est-ce que vous avez une structure de base qui est là? Politicien n'est pas vraiment gagné que le café là-dedans pour chambre des systèmes. Non. Mais le pas gagné, il fait ça. Ou qu'il prend qu'il n'importe où nous mettez pour les États-Unis, il a fait des dégâts. Mais une quantité de dégâts qu'il n'a pas fait. Parce que il y a un système qui est établi. C'est ça que je pense que nous devons faire d'abord. Nous allons quitter aller, mais on a une nouvelle sur Katimoué. Grâce à Dieu, Katimoué très bien. C'est où perdu. Plusieurs fois, l'équipe TNH a allé à Katimorin. Moi, imagine. Oh non. Katimorin, c'est nous qui avons avancé. Nous avons parlé avec un journaliste. Monsieur dit, je parle de réalisation que je fais dans Katimorin. Je dis, dans 3 ans, 6 heures de temps d'émission, pas suffit pour me dire tout ça que je fais dans Katimorin. Chaque année, je fais un bilan. Je dis, mais ça me réalise dans Katimorin. Première année, je réalise 23 projets. Dans deuxième année, 21. Et dans troisième année, je fais un bilan à 18 projets. Nous avons 2 belles places publiques qui sont plus belles dans tout le pays. Je dis ça dans la radio, parce que je démenti, je vais tout profiter de la télévision. Si vous avez une commune qui a une place publique qui est plus belle que ça, 4e mois, je vais démissionner. Vous candidat, vous retournez? Bien sûr. Depuis l'élection, mais si vous avez une logique pour structurer le pays, je vais trop content, je vais aller quand même quitter le groupe de monde structurer le pays d'abord. Vous sortez 4e mois, non, pas trop loin nord-est. Bon, nouvelle débute de février, la pêche là. Je dis, monsieur, ressuscité. Je ne vais pas parler de bagaille. Je ne vais pas connaître son homme d'établier. Je te mets ton note de presse, je te dis, il mourit, qu'on y a si ressuscité, son note officiel qui peut mettre dehors. Ou pas la famille? Non. Je ne vais pas parler avec lui. Vous n'avez pas fait contact tout? Je ne connais si le président Gaï Boudou fait contact sur lui. Je ne pas vraiment. Qui est l'intérêt à faire? Je ne sais pas pourquoi programmer réunion. Ça, c'est le secrétaire Chemin, Gizira Georges, qui pour programmer, qui l'a fait finir. Mais nous, pourquoi avoir des informations pour nous faire ça? On entend ça comme dit dans la radio. Bon, bien sûr, on entend des gens qui disent le ressuscité. Je n'ai pas de preuve, je n'ai pas dit c'est vrai, mais on entend des bruits à courir en pile. D'autant plus, la famille n'est pas vraiment collaboré. Je n'ai pas dit pour planifier le funérail. Ça veut dire nous simplement attendre. Okay, mais vous avez une date pour le funérail? Non, il n'y a pas de date. Député Isaïe Bofet, par exemple, c'est représentant Katimoué dans le 50e. Je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile. Bon travail, bonne semaine. Et puis, rendez-vous à l'heure dans la chambre de député. C'est ton plaisir. Merci pour l'invitation. Absolument, tous les spectateurs, c'est un plaisir encore une fois. On continue à prier pour Haïti. Le pays a gagné espoir. Je parle à quel monde croit que pas gagné espoir, oui, gagné espoir. Haïti est capable. Bon, c'est prier pour nous prier et puis c'est une meilleure planification pour nous gagner. Merci. Je viens d'apprendre un peu dans l'échange du matin avec le député Katimouré, qui est assez ouvert pour te partager tout ça qu'on est, réalité, chemin et puis la situation pays. Et je dis à tout avec nous en direct. Parce que tu passes une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. Bonne semaine, restez sous TNH, à bientôt.